Bonsoir les amis, voilà pour vous la dernière minute pour le quinté de vendredi 9 août 2024 à Cabourg. Hardy Crown vise la gagne. Hardy Crown vise la gagne. Le 16, drivé par le bourgeois. Espère maintenant franchir le poteau en tête. Il réalise une saison presque parfaite et ne peut rêver d'un meilleur engagement au plafond des gains. Confié à Y, le bourgeois qui connaît la piste comme sa poche, il peut renouer avec la victoire. Le 16. Voilà la dernière minute. Savoir-faire. La pyramide des chances, les repérer, le chiffre 100%, la spécialiste. Voilà, la dernière minute. Fast and Tonic, le 3. Ces trois dernières sorties témoignent de sa forme. Elle évolue sur un parcours qui lui convient. Et son entraîneur fait appel à François Lagadeuc. En tête, il a les moyens de prendre une nouvelle place. La pyramide des chances, les bases. 16, 11, 6. Les chances régulières. 1, 14, 13, 2, 3. Les outsiders, 8, 10, 9, 12. Les gros lots, 4, 5, 7, 15. La spécialiste... Repéré dans les jumelles, la spécialiste Frozen Ken, le 15. Une victoire et une place en 4 sorties sur ce parcours. Pour Frozen Ken, le 15. Repéré dans les jumelles, le 2. Emilio Piégier, le 14-6-2024. 13. Gershwin de Chenu, le 29-6-2024. Le 14. Gamin de Mahé, le 27-4. 7-2024, donc repéré dans les jumelles, le 2, le 13, le 14. Le chiffre, 100% 3 victoires et 5 places en 8 éditions pour le premier favori de la presse. Dans ce quintet, Hardy Crown le 16 est un point d'appui statistique solide. Voilà le pronostic du journal Paris. Sur notre pronostic par Cédric Bloquet, nous préférons le 16, le 11, le 14, le 6, le 8, Gloire Royale, le 2, le 13, le 12, Chance Régulière, le 1, le 10, le 9, le 3, le 7, Forever Stone. Il est plus confirmé au monté. Outsider, le 15, le 4 et le 5. Dans le creux de l'oreille, l'outsider séduisant le 6. La sélection de 12, 8, 11, 16, 14, 6, As. Repéré pour vous, repéré dans les jumelles le 14. Il vient de fournir un bel effort final à un gain et aurait même pu gagner ce jour-là. Le 14, gamin de Marie. Le spécialiste, le 10, Eleven Schapser. En deux tentatives sur ce parcours, il a fini premier et deuxième. La découverte, le 12, Guignol de Chardet. Ce bon droitier est capable de se placer à belle côte. On a un clin d'œil du pour, du contre. Favori d'auteur, favori, bon favori 16-14, en baisse 19, favori d'auteur 13-12, en hausse 11-1-2, stable. 3, 6, 8, petite chance, 5, 7, 4, 15. La forme saisonnière, driver à suivre. Lagadeug, Franck Nivard, Dejar, De Bourgeois. Meilleur couple. Hunador à le 6, 100% avec Nivard. Le 13, le 12, le 11, le 14, le 9. Les déférés, déférés des 4. Déféré des postérieurs, déféré des antérieurs. Les meilleurs chronos sur le parcours, le 10. Meilleur chrono, une 12-1. Les
Première chance, le 16-14. Seconde chance, 11-2-6. Outsider, 8-12, 1-9-13, 10-15. Abandonné, 3-4-5-7. Le grand écart, le pensionnaire de Franck Blondin traverse une mauvaise passe dans l'Ikenti. Ils n'ont pu participer à l'arrivée. Les 17 derniers auxquels ils ont pris part, en effet, il faut remonter au 9 décembre 2021. Alors, ce vendredi, il présente Emilio Piergi, le 2, fautif lors de ses deux dernières sorties sans être disqualifié dans la dernière ici même, alors qu'il pouvait prétendre à un bon classement sage, il faut s'en méfier. Le 2, attention au 2, 2, ça sera dans le podium. Les chaleurs d'entraînement, le tuyau, Gloire Royale dispose d'une bonne chance en tête, le 8. Le prono des pistes 8, 16, 2, 16, 14, 11, 10. Le prono unique, le 16 Hardy Crown base, le 8 tuyau, le 14 base, le 11 coup de poker, le 2, le 1, le 6, le 12. En cas de non partant, le 13, le regret, le 10, les meilleurs outsiders 3 et 9. Pour toucher le gros lot 4, 5, 5, 7, 15, abandonner aucun. Emilio Piergi, sans faute dans une épreuve analogue, et l'oreille sans doute conclue dans les 5 premiers la semaine dernière, il faut évidemment le reprendre. Le 12, il revient au mieux, au bon moment, et va confirmer dans son jardin. L'outsider, c'est la gazette, l'outsider, le 13. Ancien bon cheval, il a connu un long passage à vide avant de rejoindre, de repointer le bout de son nez depuis quelques mois. Le 6, notre coup de cœur, Unadora, Stat Gazette le 16, en forme, il reste sur des résultats positifs, j'y crois encore. Le 6, le 14, le 12. Les bases multi-5, les bases 16-8. On leur associe le 14, le 11, le 2, le 1, le 6, le 12, le 13, le 10, le 3. Multi-5, les bases 16-8. Le grand favori, le 16. Y, le bourgeois. Et le 8. On leur associe le 14. Le 11, le 2, le 1, le 6, le 12, le 13, le 10, le 3. Bonne chance les amis, à la prochaine vidéo avec le roi du tiercé.